Bonjour à tous, c'est Snippy Angel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 12 de mon aventure Tomb Raider. J'espère que je vais enfin pouvoir sortir de ce palais qui explose de partout. Donc, durant la dernière vidéo, à la fin, j'avais terminé la vidéo sans prendre la peine de dépenser mes points de compétence et mes boulons. Donc j'ai commencé à les dépenser, mais au final je me suis dit que j'allais pas faire ça hors caméra. Donc on va faire ça maintenant. Je vais juste vous montrer. Alors j'avais dépensé donc mon fusil à pompe qui s'est amélioré automatiquement puisque j'avais les 3 pièces d'amélioration. J'ai dépensé un point de compétence, c'est celui-ci il me semble. Voilà, donc maintenant on va voir ce que je peux améliorer. Donc l'arc c'est fait, le pistolet 3/5, le fusil 7/7 et le truc 1/1. D'accord, donc je vais voir ce que je peux améliorer au fusil à pompe. Donc stabilité. D'accord, donc ça c'est plutôt pas mal. Facilité de l'arme, d'accord. Capsule incendiaire. Donc, alors écoutez, je pense que je vais prendre recharger plus vite. Je vais prendre également les dégâts, augmentation des dégâts. Et j'ai plus assez pour quoi que ce soit d'autre. Donc, ça c'est fait. Je vais ensuite dépenser mes points de compétence. Alors, comme vous pouvez le voir, j'en ai deux. Alors bon, je vais juste relire tout ce qu'il y a. Donc là toujours que ça, ici je ne peux pas ça. Un cadavre d'animaux, donc j'en vois quasiment jamais. Donc c'est un peu inutile pour l'instant, comme je dis à chaque fois. Donc ça c'est tout simplement, ouais, voilà. Et là, d'accord, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est l'esquive numéro 2. Donc je vais prendre ça, maîtriser, ça c'est fait. Ce qui va me permettre de les tuer tout simplement lorsque j'esquive. Ensuite ça, bah écoutez je vais, ouais je vais prendre ça. Voilà, ok. Donc je peux lancer de la poussière lorsque j'esquive une attaque. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, mes points de compétence et mes boulons sont dépensés. Donc on va repartir à l'aventure dans ce fameux palais. Je pense que là on est près de la sortie du palais. Rappelez-vous, dans les deux derniers épisodes il y avait vraiment mais que de l'action durant tous les deux épisodes. Donc on va tout simplement avancer, voir ce que nous réserve la suite. Donc il y a toujours tout qui est en train de cramer, tout qui est en train d'exploser, comme je le disais tout à l'heure. Donc bon, c'est un peu le principe de ce niveau, je trouve. On va voir ce qui se passe par la suite. Donc des grenades, j'ai ce qu'il me faut. D'accord. Donc là, donc ça c'est les nouveaux murs que je peux défoncer à la grenade. C'est plutôt sympa. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui vont m'attaquer. Donc là, apparemment, je suis retourné dans le bidonville. D'accord. On ne veut pas de mal. Ok, donc Sam, je sais pas où elle est passée. Je vais avancer. Apparemment elle s'est cachée. Je sais pas où sont les autres. Donc là, bah, je vais prendre la tyrolienne qui est là. J'imagine qu'ils vont me tomber dessus tous en même temps. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Des grenades, ok. Des munitions, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc on explose tout ce qui se trouve sur notre passage. Donc allez, hop, je saute, hop, grenade. Hop. Donc c'est plutôt barbare, mais ça marche assez bien apparemment. Je vais reprendre quand même mon arc. Il y en a un là-bas. Et un là. Donc je sais pas si je l'ai eu. Il me semble que j'en ai eu un. Ah voilà, il est là. Il s'est juste, voilà, déplacé. Donc là il y a plein de caisses. Je sais pas si je vais pouvoir prendre quelque chose. Non. Donc, oula. C'est pas passé loin ça. D'accord, il y en a un en haut, il y en a un là.
Ok, bah je l'ai eu avec. Par contre là du coup je sais pas où ils sont. Donc comme vous pouvez le voir, oula, mais ils sont vraiment partout. Il y a vraiment beaucoup d'actions à nouveau. C'est vraiment sympa. Mais donc toute cette partie, tout ce niveau, c'est vraiment mais de l'action en continu. Depuis le début, on a vraiment que ça. Ok, donc lui c'est bon. Donc ouais, on a vraiment que ça depuis le début de ce niveau. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Je vais juste fouiller mes cadavres et mes caisses. Donc il y a sûrement une ou deux reliques là par là. D'accord, donc là je vois à peu près rien du tout. Il y a de la lumière un peu partout, ils sont dans le brouillard. Donc on voit à peu près rien du tout. Donc là à nouveau ces gars en armure qu'il faut que je... Ok, ça c'est bon. Ok, il y en a un là, je l'avais pas vu non plus. Peut-être mettre les flèches de feu. Il y en a un là-haut. Hop. Il y en a un qui arrive là. Hop. Lui, il est pas mort. Ok, il y en a deux. Ok, donc là, je le mitraille parce que je peux pas vraiment faire autrement. Il y en a un juste là, dehors. Ok, donc il a pris une autre porte. Je le mitraille aussi. C'est des types en armure, ils sont plutôt chauds à avoir. Oh là là, il y en a vraiment beaucoup, je sais pas quand est-ce que ça va finir. Écoutez, par précaution, on va faire comme ça. Donc apparemment j'en ai eu un ou deux, je sais pas, il y a eu des cris. Là où il y en a un. Il veut pas se montrer. Bon. Alors attendez. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc apparemment il y en a un qui s'est approché. Désolé si je parle pas beaucoup, j'essaye de me concentrer sur ce qui se passe pour ne pas mourir. Ok. C'est pas une bonne idée ça. Voilà, donc au corps à corps, c'est toujours plus efficace le fusil à pompe. Oula putain, alors celui-là, je l'avais pas vu arriver. Il s'est faufilé dans mon dos. Je vous avoue que j'ai été vraiment mais surpris là. Bon. Ça a l'air de se calmer. J'espère que c'est bon. Mon dieu. Donc il y a vraiment vraiment mais beaucoup d'action dans ce... dans cette partie de l'aventure. C'est vraiment mais génial franchement. Alors on va voir ce qu'il y a dans les environs. Ok, là il n'y a rien, c'était juste une planque. Donc je sais pas s'il faut que je monte en haut là où je pouvais monter, ou s'il faut que je passe par là où je passe. Je vais juste visiter un peu les lieux. Ok, donc lui j'ai pas fouillé son cadavre. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc je peux avancer tout simplement. Donc à mon avis je vais juste retourner pour voir ce qui se passe en haut. Probablement des emplacements de reliques. Alors attendez, il y a un cadavre que j'ai pas fouillé. Décidément, voilà. Donc probablement des emplacements de reliques. Je pense. Ou des munitions, ce genre de truc. Voilà, donc des munitions. Bah écoutez, en fait, bah voilà, je pouvais rien faire de plus. Je peux peut-être monter. Hop, voilà. Donc ça c'est bon, j'ai. Là il n'y a rien d'autre. Ici. Donc il n'y a rien du tout. Donc voilà, il y a. Tout simplement, il n'y a rien. Voilà. Donc je vais continuer à avancer. Ah, là. Ouais, bah alors toujours des. A chaque fois que je vois ces caisses, j'ai l'impression de voir des caisses de grenades, mais bon. Ok. Donc ça c'est plutôt mauvais pour moi. Je sais pas où il faut que je me cache. Oulalalala. Est-ce que je peux l'avoir par là? Non, je peux pas. Oh
mon avis, il est protégé par son super... Bah, je vais essayer de courir, tout simplement. Hop, voilà. Allez, go. Je ne sais pas du tout où je vais devoir aller pour... Ouais. Ah, attendez. Ah, il s'arrête pas, hein. Ok, donc là, là-bas, je l'ai eu. Mais j'ai pris cher. Allez, go. Ouais. Attendez, il y en a un là. Je sais pas si les tonneaux vont exploser, j'espère pas. Ouais, ok, donc ils ont explosé, mais... Ok. Ok, donc je m'en prends vraiment plein la gueule. Donc je vais... Je vais simplement avancer, donc... Attendez. Je vais quand même essayer... Ah, mais il faut que je recharge. Génial. Il peut pas mourir. Ok, donc là, ça c'est fait. Il y en a un deuxième. Ok, donc je vais essayer de ralentir un peu la cadence là parce que je suis en train de m'en prendre plein la gueule. Je vais essayer de... Ah, il m'a eu. Ok, bon bah voilà, je suis mort. Donc ouais, vraiment une scène d'action assez assez infernale. Je m'en prends vraiment plein la gueule de partout. Donc en plus je peux pas tuer le gars qui a sa super mitraillette vu que ben tout simplement vu que il est protégé par une sorte de bouclier qui est sur la mitraillette. Donc allez go. Cette fois j'essaie de pas mourir, donc il y en a un là-bas. Je l'ai pas eu. Ok, donc ça c'est fait. J'avance. Et donc il y a les fameux qui sont en haut. Donc je vais essayer de faire hop, d'être protégé. Ok, donc ça a marché, mais maintenant ça ne peut plus marcher. Alors attendez. Ok, donc lui je lui one shot, plutôt pas mal. Ok, tire à la tête à nouveau, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc j'avance. Cette fois j'essaie de pas mourir. Oula là là là. Est-ce que je suis à l'abri là au moins? Ouais, je suis à l'abri. Ah, je vais m'en prendre plein la gueule quand je suis remonté. Attention, ouais, je dois bouger. Voilà. A votre avis, est-ce que je peux niquer celui qui a le lampadaire là? Non, bon. Donc, bah allez, c'est parti. Je prends pas le temps de fouiller le cadavre, je veux pas mourir. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc là encore, je m'en prends plein la gueule, mais vraiment de partout. Par où est-ce qu'il faut que je passe? Ok, peut-être pas une bonne idée ça. Ok. Je sais pas du tout par où il faut que je passe. C'est pas par là en tout cas. Par le toit peut-être? Non. C'est pas par là. Donc, écoutez, je ne sais pas. D'accord. Ok, donc ça c'est fait. Donc il y a un gars qui est passé, je sais pas où il est. Donc il est pas là. Voilà, donc la porte s'est ouverte. Donc une tyrolienne, il n'y a rien d'autre. Ok, c'est parti. Lara! Lara! Passe par-dessus! Allez! Va chercher Ross, je te suis. Et Sam, ne monte pas dans l'hélicoptère. Fais-moi confiance, d'accord? Je t'en prie, fais-moi confiance. Allez. Ok, ben...
apparemment Sam est sain et sauf, donc un bon point. Attendez, peut-être il y a peut-être quelque chose à faire là-haut. Oula, non, peut-être par là. Donc je peux pas monter. Bon. Ok, alors je vais continuer. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Il n'y a pas l'air. Bon bah je vais avancer. Je vais pas perdre trop de temps comme dans les deux derniers épisodes. Parce que comme vous pouvez le voir, cette partie de l'aventure est assez longue tout de même. Donc je vais pas perdre trop de temps. Je regarde juste s'il y a des reliques par-ci par-là. Mais sinon, bah voilà, j'avance. Pour vous offrir plus de jeux. Alors attendez, là je peux peut-être aller... Je peux aller tout droit, mais je peux aller aussi peut-être à droite. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc pour changer des explosions, ouais. Donc ouais, pour changer, comme je dis, ça va tout péter, ça va être génial. Ok, donc là, hop, 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 ça c'est fait. Donc je sais pas où il est passé ce connard, mais. Je dois les empêcher de monter dans cet hélicoptère. Ok, donc là apparemment l'hélicoptère il est toujours... Oula, j'ai cru que j'allais mourir. Il est toujours pas mort. Ouh là 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 là. Ok, donc elle s'est fait mal. Je précise que je ne joue pas là, c'est toujours la cinématique. Hop, ça c'est fait. Piolet dans la tête. Ça doit pas faire que du bien. Donc allez, c'est parti. Oulalalala. Il y a tout qui explose comme d'habitude. Aou. Ouais, ok. Voilà, donc il en a fait qu'à sa tête. Il va quand même dans l'hélicoptère malgré ce que Lara lui a dit. Donc à part ça, je pense qu'il n'y a tout simplement pas de reliques dans ces zones. Je pense que c'est des zones qui peuvent pas être revisitées par la suite. En même temps, il y a tout qui explose, donc voilà. Oulala là là là. Ce qu'elle fait, je comprends même. Je vous dis franchement, je comprends même pas ce que je fais là. Donc je pense qu'il y a tout simplement pas de reliques. Donc je vais avancer, puis on verra bien où ça me met. Oh là là, mais c'est incroyable tout de même. C'est quand même vachement bien fait, hein. Ouais, alors par contre là, oh là, là. Évidemment, alors donc là je suis sur une caisse de dynamite, comme vous pouvez le voir, qui a déjà pris à moitié feu. Voilà, c'est ce que je disais. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, en tout cas, c'est chaud, hein. Je peux vous dire... C'est vraiment rempli d'action. Boss, où es-tu? Allez, saute! Tu peux y arriver! Bon ben, je suis remonté pour redescendre. Allez, go! Et là, elle se fait couper par les pales de l'hélico. Là, prends ma main. Et voilà. Oh, il faut qu'on se pose. Si on n'atterrit pas, on va s'écraser avec cette tempête. On peut pas partir. Ouais.
peux pas les laisser. Il faut atterrir. Pas question, pas avec ce temps. On ne peut pas les abandonner. Désolé, je vais pas encore risquer ma peau. Faites-le. On va se cracher. Allez. Putain, mais vous êtes vraiment dingue. Jamais sans toi. Pardon, Lara. Pardon. Tu y arriveras. Tu es une Croft. Tu n'as rien, Lara? Si elle n'a rien, tout ce qui compte, c'est Lara, c'est ça? Tu as oublié que c'est à cause d'elle qu'on est là? Tu es injuste, Reyes. Je sais. J'aurais pas dû dire ça. Mais bon. Ross, je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire sans lui. On va lui trouver un endroit sûr et le préparer dignement. Il est mort en guerrier. Il faut lui rendre hommage. Cette vieille vedette sur la plage. Je devrais pouvoir la réparer. On peut essayer. Ça ne sert à rien. Jamais nous ne partirons de cette île. Allez, Lara. Il faut pas dire ça. On doit se reprendre. Mettre au point un plan, tu vois? Vous ne comprenez donc pas. Aucun de vous. Quelque chose nous empêche de partir. Quelque chose? Lara, tu devrais dormir. Écoute, je suis le premier à reconnaître que j'aime bien les trucs bizarres, mais cet endroit bat tous les records. Je ne veux pas mourir ici. Je répare ce bateau et on s'en va. Tu le sais que cette île est spéciale, Jonah. Ne dis pas le contraire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien de logique à ce qui se passe ici.
Je sais que tu ne te fies pas à ton instinct, mais tu as tort. Crois en toi. On a besoin de toi. Jonah a raison. Je ne peux pas le laisser. J'ai besoin de temps. Tu sais où nous trouver. Reviens quand tu seras prête. On ne partira nulle part sans toi. Garde ça sur toi. Ross, qu'est-ce que je vais faire? Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu croies en toi. Personne ne part. Les tempêtes, elles doivent être liées au pouvoir de la reine solaire. C'est ce qui nous empêche de partir. La chambre des rituels du monastère. Si c'est ce que les gardes protègent, alors c'est là qu'on découvrira comment arrêter les tempêtes. Une entrée secrète par la rivière. Le bateau! On va s'en servir pour remonter la rivière jusqu'à la chambre des rituels. Donc une cinématique plutôt longue, franchement, on se croirait dans un film. Donc notre ami Russ est mort. Mais bon, je pense qu'il est mort heureux parce qu'il a quand même profité de ses derniers instants pour ploter un peu Lara. Sinon, pauvre Alicia, elle n'aura jamais connu son père. Donc, franchement, là, j'hésite à continuer. Je ne sais pas si j'aurai un camp bientôt. Écoutez, je vais quand même continuer. J'ai à peu près 20-25 minutes de vidéo. Je vais un peu voir ce qui se passe dans les alentours. Je vois un truc qui brille là-bas. Je vois des caisses, des trucs. Enfin, je vais un peu voir ce qui se passe dans les environs. Et j'arrêterai quand je trouve un prochain camp ou bien tout simplement en revenant vers ce camp. Donc, écoutez, ouais, je vais faire ça. Donc, alors là, il y a l'épave de ce superbe hélicoptère avec le pilote qui doit être mort maintenant. Donc il y a vraiment tout le monde qui meurt. Hop, ça c'est fait. Je sais pas du tout par où je peux passer. Un petit coup de map. Donc ouais, voilà. Il y a vraiment rien d'autre ici. Je vais avancer. Ok, donc alors je ne sais pas s'il est mort, Mathias, mais il me semble qu'il s'est fait tirer dessus. Donc par rapport aux ennemis, je sais pas s'il va encore y en avoir ou si je vais seulement rencontrer des gardes ou ce genre de choses. Donc là, apparemment, il y a des gars. Il y a aussi le docteur Whitman qui est parti on ne sait où. Donc bon, alors là, je vais y aller. Hop. Ils vont venir. Tant mieux pour eux s'ils viennent. Mais s'ils viennent, ils connaîtront la mort. Oulala. Alors ça, c'est un loup. D'accord, donc je me fais attaquer par des loups en même temps que je me fais attaquer par Donc je sais pas qui se prendre en premier. Je suis mort, voilà. Donc alors je sais pas si le loup leur appartient. Mais je me suis fait attaquer par le loup et pas eux. Donc. Ok, donc je vais direct me cacher. Je vais voir ce qui vient. Ok, donc là. J'entends des grognements, j'entends des trucs. Ah,
Donc, voilà. Ah, là, il y en a un. Ok, je l'ai eu. Donc, lui, je l'ai eu avec une flèche. Une deuxième, et c'est bon. Oh là là, je vois rien. Il y en a juste là. Hop. Ça, c'est fait. Donc, apparemment, c'est bon. Je pense qu'il y a quand même encore des loups, ce genre de trucs. Donc là-bas, vous voyez, il y a encore des lampes torches, ce genre de trucs. Ça sera encore un moment plein d'action. Donc voilà, ils sont... Ouh là, il y a un loup. Hop. Voilà, encore un loup. Hop, ça c'est fait. Donc lui, il me semble que je l'ai eu. On a encore un là. Ok, ça c'est fait. Je l'ai eu à la tête. Je vous avoue, cette fois c'était du bol. Ok, par contre lui, c'était juste du pro gaming. Non, je rigole. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, je commence à tuer un peu des animaux. Je sais pas. Franchement, je sais pas s'ils sont avec eux. Je pense que oui. Vu comment ils m'attaquent moi et pas eux. Je pense tout simplement qu'ils ont dompté des loups, quoi. Donc là, je continue de me faire exploser de partout. Ah là là, j'ai loupé. Voilà, ça c'est fait. Ok, donc là, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de tam-tam de guerre, donc je pense que c'est bon. Je vais visiter un peu les lieux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien du tout. Donc je vais visiter un peu les lieux. Qui apparemment... en fait, ça va tout droit. Il n'y a un peu rien à visiter, je pense. Quoique... Allez hop, c'est parti. Où est-ce que je vais? Bon, je ne sais pas où je vais. Mais j'y vais. Alors, on va faire un petit coup de map. D'accord, donc en fait, je peux y aller par deux chemins. Tout simplement. Donc là-bas, ça c'est mon objectif. Donc je vais regarder ce qui se passe par ici. Là, il y a des cordes dans les arbres. Ok, donc apparemment il y a plein de petits trucs à faire ici. Un petit jeu de plateforme pour récupérer, je pense, des reliques. Ici, je sais pas ce qu'il y a. Peut-être un tombeau. Un tombeau caché. Un tombeau facultatif. 601, je vais pas trop avoir le temps de le faire. Il y a un feu de camp là-bas. Je sais pas si je peux sauvegarder à ce feu de camp. Parce que apparemment je peux pas sauvegarder tous les feux de camp. Donc nouveau camp découvert. Donc oui, je pense que je vais pouvoir. Donc là-bas. Oulalala. Ça a l'air hyper vaste. Je vais faire ça la prochaine fois. Dans une nouvelle vidéo. On va faire un peu d'exploration. Là, vous avez eu quand même 3 épisodes remplis d'action. Donc, c'est plutôt pas mal. La prochaine fois, on va faire un petit peu d'exploration. On va visiter un peu tout ça. Et je pense qu'on va trouver 2-3 reliques intéressantes. En voici une. Je vais déjà la prendre. Garde tempête, nous nous trouvons à la veille d'un grand changement. La flotte ennemie qui s'approche de nos côtes sera la dernière à tenter d'envahir notre royaume. La colère de notre reine déclenchera la plus puissante des tempêtes et nous chevaucherons les vents pour anéantir ces impies. D'accord, voilà, donc un petit bout d'histoire supplémentaire. Donc je me demande comment elle va s'y prendre pour arrêter ces tempêtes. On apprendra ça sûrement par la suite. Pour l'instant, donc, oh, il y a encore quelque chose là-bas. Tombeau facultatif, vous croyez? Tombeau secret, d'accord. Donc, je pense que la prochaine vidéo, bah, ça sera ce tombeau. Avec de l'exploration. Puis, puis voilà, quoi. Ça sera un épisode un peu exploration plutôt qu'action. Parce que là, vous avez quand même eu votre lot d'aventures et d'action pour les 3 derniers épisodes. C'était quand même plutôt pas mal. Donc je vais vite regarder si je peux dépenser des points et des boulons. Donc un point de compétence. Est-ce que j'ai monté un niveau? Donc là, qu'est-ce que c'est? Donc ça, toujours pas.
Ok, castagneur. Je préférais mourir à sa place. Toujours pas. Survivant. Mais je suis là. Bien toujours vivante. Pas. Et je suis certaine qu'aucun bateau. D'accord, ça c'est intéressant. Malheureusement, il me faut niveau 3 spécialiste, donc je l'ai toujours pas. Ça, ça peut être pas mal aussi. Je dois faire quelque chose. Je dois arrêter ça. Ah, d'accord. D'accord, donc je vais prendre celui-là. Donc je ne sais pas... Ouais, je pense que ça vaut aussi pour les... Quand ils disent les caches de nourriture, c'est les petits arbustes, ce genre de choses, peut-être. On verra bien. Si c'est le cas, ben, c'est plutôt pas mal. Ça me permettra de gagner plus que de l'XP. Ah ! D'accord, donc voilà, j'ai débloqué niveau de compétence spécialiste. Je vais pouvoir débloquer ce... Ouais, ce point de compétence et bah, tout cela en fait. Qu'est-ce que c'est? D'accord. 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 Ok, donc c'est tout simplement pour gagner plus de récompenses sur les ennemis à bout portant. Donc bah, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais plutôt m'orienter sur vie. En ce qui concerne les équipements, donc toujours, j'ai que le pistolet. Je vais quand même regarder ce qu'il y a dans le pistolet. Les dégâts, le temps de recharge, la cadence de tir, le recul et... Ah, alors écoutez, ça c'est plutôt pas mal. Donc je pense que c'est maintenant que j'ai débloqué le pistolet automatique... pistolet tactique, pardon. Je pense que j'ai débloqué le silencieux avec. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je vais pouvoir tuer les ennemis au pistolet silencieux. Donc je vais prendre ça. Voilà, 82. Donc je peux pas en prendre plus. Donc voilà. Donc cet épisode touche à sa fin. Donc vous voyez que là j'ai le 7ème journal de Lara sur 10. Donc je pense que je suis bientôt à la fin de l'aventure. Donc cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, si vous l'avez aimé, de mettre un j'aime, de poster un commentaire, de vous abonner. Et si vous en avez l'envie, de partager la vidéo avec vos amis. Quant à moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.